La station spatiale est toujours vouée à grandir ou c'est fini, elle est complète? Alors, la station spatiale n'est pas vouée à grandir. Elle est dans sa configuration finale. D'ailleurs, dans le plan de développement initial, elle devrait déjà être détruite. Mais au gré des changements de politique, notamment du Congrès américain, qui a abrogé le programme Constellation, démarré sous George Bush et validé par Obama, puis finalement dévalidé, la station spatiale a reçu les financements qui ne sont pas allés à ce programme-là, et donc elle est actuellement prolongée jusqu'en 2022 ou 2024, je ne sais pas. Alors apparemment 2024, voilà. Donc elle n'est pas vouée à grandir à nouveau. Cependant, enfin, voilà, c'est vraiment la configuration finale. On n'a pas fabriqué, on n'a pas de module supplémentaire à envoyer dans l'espace pour l'augmenter en taille. Si je peux me permettre, voilà, elle a été finie en 2011, la configuration totale, et les personnes ont commencé à y aller à partir de 2000. La seule augmentation qu'il y a eu depuis sur l'ISS a été le test d'un module avec une technologie dite gonflable de la société Biglow Aerospace, qui vise dans un certain futur à créer des hôtels dans l'espace, un peu sur le modèle de 2001, l'Odyssée de l'espace, si vous avez lu cette œuvre. Donc ce sont des modules qui sont assez compacts et ils ont un système d'armature assez souple. Et on va appliquer une tension, une rigidité sur l'armature qui va déclencher le gonflement de la structure. Aujourd'hui, on a testé un petit module, je ne me souviens plus exactement combien de mètres cubes il faisait, mais ça a vraiment été la seule et unique extension de l'ISS suite à la fin de l'assemblage qui a eu lieu en 2011. Donc à terme, normalement, l'ISS est voué à tomber dans le Pacifique, un peu comme Mir en 2001, 2001, je crois, pour l'éclipse. Elle devait tomber sur Paris, selon les dires de certains. Ce serait en un seul morceau ou il la coupe pour. Alors, à l'origine, c'est l'ATV européen, c'est le dernier véhicule de cargo européen, ATV, qui a été fabriqué en Europe, qui devait désorbiter la station. C'était le plus gros des cargos de ravitaillement vers la station spatiale au niveau de la soute pressurisée et de la soute non pressurisée. Il était également équipé d'un moteur suffisamment puissant qui aurait été capable, enfin qui était prévu pour donner l'impulsion suffisante pour désorbiter la station spatiale de façon contrôlée. Puisqu'en effet, c'est assez gros. La longueur totale, c'est 100 mètres. Elle fait 75 mètres de large. Donc, il y a des modules de plus ou moins grande densité au niveau de la matière. Mais évidemment, les retombées au sol sont nombreuses. Donc, il faut bien régler l'incidence et la rentrée atmosphérique pour être certain que ces modules ne tombent pas sur des zones habitées. On vise en général une zone du Pacifique. C'est un endroit qui est à plus de 2000 km de n'importe quelle île habitée et qui sert malheureusement un peu de cimetière pour les objets spatiaux.